Hello, bonjour. It is a cloudy but hot Il fait chaud day et le ciel est nuageux aujourd'hui au Centre spatial guyanais. Nous lançons les quatre prochains satellites dans la constellation O3B pour le compte de SES Networks. Je me trouve au Centre de contrôle mission. Je m'appelle Katie Haswell et à mes côtés, Luce Fabregat, vice-présidente d'Ariane Espace. Bonjour à tous, bienvenue ici, bienvenue à nos clients, dans le site spatial et pour ceux qui... Donc, nous lançons une fusée Soyouz aujourd'hui, composée de quatre sections que nous appelons les étages. Les trois premiers composent la partie propulsée. Et elles vont nous arracher de notre planète. Et ensuite, si on regarde tout en haut du lanceur, à l'intérieur, vous pouvez voir nos satellites. Ils sont les quatre satellites O3B pour le compte de SES Network, bien installés dans le lanceur au frais avec la climatisation. Ils voyagent en première classe avec leur ceinture de sécurité bien attachée. Donc, Luce, avant de vous parler, je vous dirai à tout le monde ce que vous faites. Vous êtes vice-présidente exécutif en charge des missions, des opérations et des achats. Et vous êtes dans la cellule de vol aujourd'hui. Expliquez-nous un petit peu les détails de notre mission. Quatre satellites lancés aujourd'hui en télécommunication. Ils ne vont pas rejoindre l'orbite géostationnaire, c'est habituel pour ce type de satellite. En revanche, ils vont rejoindre une orbite terrestre moyenne à 8 km de distance de la surface terrestre, donc quatre fois plus près que l'orbite géostationnaire. Cela va réduire un temps de... Donc, comment la chronologie s'est passée? Cette nuit, nous avons commencé, nous avons lancé les opérations. Elles se déroulent sans accroc. Nous avons retiré le portique mobile. Le lanceur s'apprête à quitter le sol. Et nous avons besoin de lancer une vérification ultime sur le sol. Donc, à 14h03, c'est le lancement. Exactement, 3 minutes après 14h. Donc, nous sommes prêts. Tous les ordinateurs au sol, tous les techniciens sont rivés à leur écran prêt. Donc, nous avons fixé l'heure de décollage 33 minutes plus tard. Exactement, 33 minutes, c'est reporté et nous pouvons aller jusqu'à 45 minutes sans problème. Donc, nous allons prendre le temps pour opérer des vérifications supplémentaires pour faire le lancement dans 33 minutes. Donc, Luce, la mission va être assez longue, ça va prendre plus de 2 heures, n'est-ce pas? 2h20 pour placer les quatre satellites en place. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les détails? Au décollage, il y aura le tri-étage, la phase séparation de l'étage supérieur frégate. Cet étage va faire deux allumages de son moteur principal au-dessus de l'Atlantique, au-dessus de l'Afrique, et nous allons pouvoir suivre tout cela ici, d'ici le centre de contrôle, suite à quoi il y aura une phase balistique longue, 1h20, 20 minutes, s'en suivra au moment où nous serons au-dessus du Pacifique. Nous aurons gagné une altitude très élevée, nouvelle allumage avant la séparation des deux satellites, puis la dernière paire 20 minutes plus tard. Donc la mission, comme vous l'avez dit fort justement, 2h20 de durée. Merci beaucoup, Luce, d'être venu. Vous pouvez retourner à votre place à la cellule de vol. Luce Fabregat, mesdames et messieurs, comme Luce vient de nous expliquer, Luce, en fait, va reprendre son poste derrière moi. On appelle cet endroit-là le bocal. En fait, c'est derrière la vitre, là, vous voyez les équipes opérationnelles qui travaillent. Et donc, elle va reprendre son poste à la cellule de vol. Comme Luce vient de nous expliquer, nous avons opté aujourd'hui de lancer 33 minutes plus tard que l'heure de décollage prévue. Donc, nous lancerons à 14h03, heure locale en Guyane. Donc, en TU, ça fait
17h03, temps universel. Donc, nous allons faire une petite pause maintenant et cela va donner à tout le monde de prendre une petite pause et nous allons revenir 11 minutes avant la nouvelle heure de lancement. Donc, à tout à l'heure. Bienvenue, nous sommes en direct depuis le Centre spatial guyanais, ici à la lisière de la forêt amazonienne. Nous sommes ensemble pour le lancement des 4 prochains satellites de la constellation O3b, satellites lancés pour le compte de SES et construits par Thales Alenia Space. Donc, nous avons choisi une deuxième option pour notre heure de lancement. Nous avions deux options pour ce lancement et nous avons choisi l'option 33 minutes plus tard que l'heure prévue. C'est possible pour certains lanceurs Soyouz. Ça donne à toutes les équipes un peu de souplesse. Donc, nous avons remis notre chronomètre à moins 11 minutes, donc la nouvelle heure de lancement est fixée à 14h03 ici à Kourou et 17h03 temps universel. Ici, nous regardons la salle de contrôle Jupiter. Le directeur de programme pour Arianespace est Véronique Wazel. Là, vous voyez les équipes satellites. Et donc, en haut, à droite de votre écran, vous voyez que le chronomètre a redémarré et nous sommes à 10 minutes et 40 secondes du lancement. Donc, il y a plusieurs acteurs clés que nous voyons là. Ici, le DDO, Jean-Luc Voyer. Top, début de la séquence finale lanceur. Il vient d'annoncer le début de la séquence synchronisée, la dernière phase de la séquence synchronisée. Et cela veut dire que les ordinateurs vont maintenant gérer toutes les dernières vérifications. Et vraiment, oui, ils gèrent une liste très impressionnante d'opérations, ces ordinateurs de bord. Il y a les équipes qui surveillent tout cela. Ils travaillent près du pas de tir au centre, de lancement. Vous voyez le lanceur sur son pas de tir. Le ciel s'est éclairci un petit peu. Il fait beau, il fait très chaud. Et ici, vous voyez la zone de lancement. Nous voyons ces images depuis notre drone qui survole les installations. Ici, un hangar où nous stockons les caisses où les pièces de Soyouz sont stockées ou transportées. Et ici, c'est le centre de lancement, là où les équipes se trouvent actuellement en train de suivre la chronologie. Et ce bâtiment s'appelle le MIC. C'est le bâtiment d'assemblage où le lanceur est construit à partir des composantes. Et ici, le frégate, l'étage supérieur est ravitaillé en carburant. Et vous voyez le chemin de fer qui relie tous ces bâtiments bien au centre. Et une fois que les 3 premiers étages du lanceur ont été assemblés, il va donc voyager par rail vers le
pas de tir qui est facilement reconnaissable grâce au parafoudre. Et là, la partie tout en haut, le frégate, le composant supérieur avec les satellites à l'intérieur, sont tout à fait en haut du lanceur. Vous voyez le lanceur qui se dresse fièrement sur son pas de tir. Et nous allons regarder ce que les équipes ont fait pendant la campagne de lancement.
Bonjour, bienvenue. Nous sommes en direct depuis le Centre spatial guyanais, ici à la lisière de la forêt amazonienne. Nous sommes ensemble pour le lancement des quatre prochains satellites de la constellation O3b, satellites lancés pour le compte de SES et construits par Thales Alenia Space. Donc, nous avons choisi une deuxième option pour notre heure de lancement. Nous avions deux options pour ce lancement et nous avons choisi l'option 33 minutes plus tard que l'heure prévue. C'est possible pour certains lanceurs Soyouz. Ça donne à toutes les équipes un peu de souplesse. Donc, nous avons remis notre chronomètre à moins 11 minutes, donc la nouvelle heure de lancement est fixée à 14h03 ici à Kourou et 17h03 temps universel. Ici, nous regardons la salle de contrôle Jupiter. Le directeur de programme pour Ariane Espace est Véronique Wazel. Là, vous voyez les équipes satellites. Et donc, en haut, à droite de votre écran, vous voyez que le chronomètre a redémarré et nous sommes à 10 minutes et 40 secondes du lancement. Donc, il y a plusieurs acteurs clés que nous voyons là. Ici, le DDO, Jean-Luc Voyer. Top, début de la séquence finale lanceur. Il vient d'annoncer le début de la séquence synchronisée, la dernière phase de la séquence synchronisée. Et cela veut dire que les ordinateurs vont maintenant gérer toutes les dernières vérifications. Et vraiment, oui, ils gèrent une liste très impressionnante d'opérations, ces ordinateurs de bord. Il y a les équipes qui surveillent tout cela. Ils travaillent près du pas de tir au centre de lancement. Vous voyez le lanceur sur son pas de tir. Le ciel s'est éclairci un petit peu. Il fait beau, il fait très chaud. Et ici, vous voyez la zone de lancement. Nous voyons ces images depuis notre drone qui survole les installations. Ici, un hangar où nous stockons les caisses où les pièces de Soyouz sont stockées ou transportées. Et ici, c'est le centre de lancement, là où les équipes se trouvent actuellement en train de suivre la chronologie. Et ce bâtiment s'appelle le MIC. C'est le bâtiment d'assemblage où le lanceur est construit à partir des composantes. Et ici, le frégate, l'étage supérieur est ravitaillé en carburant. Et vous voyez le chemin de fer qui relie tous ces bâtiments bien au centre. Et une fois que les trois premiers étages du lanceur ont été assemblés, il va donc voyager par rail vers le pas de tir qui est facilement reconnaissable grâce au parafoudre. Et là, la partie tout en haut, le frégate, le composante supérieur avec les satellites à l'intérieur sont tout à fait en haut du lanceur. Vous voyez le lanceur qui se dresse fièrement sur son pas de tir. Et nous allons regarder ce que les équipes ont fait pendant la campagne de lancement. Bonjour, je m'appelle David Rankin, je suis le chef de mission de la campagne de lancement du VS-22 et chargé de l'organisation d'ensemble de la campagne satellitaire ainsi que de l'interface entre le lanceur et la chronologie finale. Nous nous trouvons dans la phase finale de cette 22e campagne Soyouz à Kourou consacrée à la 5e série de satellites O3b. La campagne a débuté le 2 février lors de l'arrivée des satellites à bord d'un avion de type Ilyushin à l'aéroport de Félix Éboué. Le jour même, le satellite et le matériel associé ont été transférés au bâtiment S5C.
plats, d'abord déballés un par un, puis installés dans une salle blanche, les satellites ont été soumis à un contrôle électrique très poussé. Après, une soigneuse vérification de leur système de propulsion a été entamée, la préparation au remplissage. Le 19 février, le premier satellite a été transféré au hall de remplissage S5B. Une fois la préparation au remplissage achevée, le satellite a été alimenté en hydrazine, pressurisé, puis monté sur le dispenseur dédié. Dans les semaines qui ont suivi, les trois autres satellites ont suivi le même processus. Muni des quatre satellites, le stack a été finalisé le 14 mars. Sur la campagne VS-22, je suis le COEL, le chef des opérations en centre de lancement. J'ai donc le plaisir de piloter l'équipe opérationnelle qui a œuvré sur le terrain durant toute la campagne pour que le lanceur et les installations sol soient au rendez-vous du lancement à J0. La campagne lanceur Soyouz VS-22 a débuté le 6 février dernier avec le déstockage de l'étage supérieur Frégate dans le bâtiment MIC. Pendant les trois premières semaines de la campagne, Frégate a subi différents contrôles électriques et pneumatiques. Ensuite, Frégate a été transférée dans le bâtiment de remplissage F-Cube situé sur l'ensemble de lancement Soyouz. En parallèle des remplissages Frégate, on a réalisé au MIC les opérations d'assemblage du triétage. Assemblage naturellement réalisé pour Soyouz à l'horizontale. D'abord, on a réuni les deux éléments du corps central. Ensuite, on a assemblé autour du corps central les quatre boosters qui donnent au lanceur Soyouz sa silhouette particulière, très aérodynamique. Enfin, on a assemblé sur le corps central le troisième étage. Cette dernière jonction se repère facilement par la présence du treillis. Après son assemblage, le triétage a subi à son tour différents tests fonctionnels, électriques et pneumatiques. Mais revenons à Frégate. Après les opérations de remplissage effectuées dans le bâtiment F-Cube, Frégate a été transféré au bâtiment S3B à 12 km de l'ensemble de lancement Soyouz. À l'issue d'une phase de veille d'une semaine, le stack a été acheminé au bâtiment S3B dans un conteneur CCU3. Le 26 mars, équipé des quatre satellites, le dispenseur a été intégré au Frégate. Le lendemain, les clients ont effectué leur répétition générale ainsi que les ultimes contrôles fonctionnels avant la mise sous coiffe. Celle-ci s'est achevée le 28 mars, complétant ainsi le composite supérieur. J-3 est la première des quatre journées de la phase de chronologie. Au cours de cette journée, on transfère le triétage et le composite supérieur en zone de lancement. Tôt le matin, le triétage est amené puis verticalisé sur le pas de tir grâce au chariot auto-érecteur. L'après-midi, c'est le composite supérieur qui rejoint la zone de lancement Soyouz après un trajet de près d'1h30 au départ du S3B. En début de soirée, le composite supérieur est hissé dans le portique à 27 mètres du sol pour être ensuite assemblé sur le triétage. Le lanceur intégralement constitué, les différentes équipes ont effectué leur répétition générale. L'évaluation d'aptitude de vol a été réalisée hier et le feu vert donné en vue d'entamer la chronologie finale. On est fin prêt pour le lancement. Et là, on voit le triétage. Cela veut dire que c'est les trois premières parties du lanceur, les propulseurs, le deuxième et troisième étage, puis la coiffe en haut. Donc, le triétage, c'est la partie du lanceur qui nous arrache de notre planète. Ici, nous voyons les équipes à l'intérieur du centre de contrôle mission. Les ordinateurs gèrent les opérations actuellement et comme nous avons vu, les équipes qui travaillent au centre de lancement, ils suivent, ils veillent sur toutes ces opérations gérées par les ordinateurs. Donc, alors que ici, à Jupiter, le centre de contrôle de mission s'occupe de toute la mission. Personnes que vous voyez travailler ici au centre de lancement sont concernées par le lanceur, le pas de tir. Il y a différentes équipes qui travaillent côte à côte ici, qui sont responsables des opérations sol, également l'aptitude au vol de notre lanceur. Et bien entendu, nous avons des équipes russes et européennes qui travaillent ensemble ici au centre de lancement. Car Soyouz est bien entendu un lanceur russe. À Baïkonour, au Kazakhstan, le centre de lancement se trouve dans plusieurs bunkers souterrains. Et ici, c'est un bâtiment à côté du pas de tir. Mais nous avons quand même un
toits épais de 2 mètres de béton pour les protéger. Et maintenant, on voit le haut en haut du véhicule, comme vous le voyez. Vous pouvez voir le mât. Vous voyez ce mât gris. Et le DDO vient d'annoncer que les lignes ombilicales à l'intérieur de ce mât viennent d'être détachées. Ces lignes ombilicales vont retomber dans une sorte de panier. Ces lignes vont ravitailler le frégate, vont lui apporter l'électricité, la climatisation. Et donc, il y a un autre petit mât du bas qui contient les lignes ombilicales pour la partie inférieure. Et ce deuxième mât va également se rétracter juste avant le lancement. Non. Comme vous voyez, tous les invités sortent dehors sur les 2 terrasses de la salle Jupiter pour regarder le lancement en direct et pour sentir la puissance de cet énorme lanceur. Donc, quelques petits mots sur la séquence d'allumage. Le moteur sont allumés 16 secondes avant le décollage. Cela donne le temps au lanceur de monter en puissance et de vérifier que ses moteurs fonctionnent correctement. Attention pour moins une minute. À 0 moins 1 minute. Donc, nous sommes à 1 minute du lancement. Nous mettons en orbite les 4 prochains satellites de la constellation O3B, satellite construit par Thales Alenia Space pour le compte de SES. Nous volons à bord le 22e Soyouz qui sera lancé depuis le CTG, le 42e lancement d'un Soyouz par Alenia Space. Et maintenant, vous voyez les mâts qui se rétractent. À tous de DDO, attention pour les débuts de la séquence d'allumage du lanceur. Top, à 0 moins 20 secondes. Lagage du mât VKM, allumage triétage. À tous de DDO, attention pour les décomptes finales. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Top, décollage VS22. La propulsion est nominale. We are off. C'est parti. Les 4 prochains satellites de la constellation O3B débutent leur voyage. Nos caméras suivent le lanceur. Les paramètres à bord sont nominaux. Il s'est élancé, il a quitté le pas de tir à la lisière, n'est-ce pas, de la forêt amazonienne. On lui dit que tous les paramètres sont normaux. Those 4 boosters are doing all the work right now. They're pulling us away from tout le travail. The gravity of our planet. Ils nous arrachent à l'attraction terrestre. Ils vont brûler pendant 2 minutes, mais cela suffit à Soyouz pour échapper justement à l'attraction terrestre. Et la puissance des moteurs, normale, à gauche, 39 km au-dessus de la surface de la Terre, et nous grimpons encore plus haut. C'est le moment prévu pour le largage de ces boosters. C'est à cela que cela ressemble. Ce sont des images issues d'une séparation de boosters. Regardez ces quilles de jonglage qui partent. Donc, voilà, séparation des boosters confirmée. Et j'entends le bruit du Soyouz alors qu'il passe
au-dessus de nos têtes, à 20 km du pas de tir. Il faut quand même, au bruit, il y a un certain temps, pour se déplacer, pour parvenir jusqu'à nous. Trajectoire en haut à droite, la trajectoire prévue, c'est la courbe jaune, et la croix, c'est la position réelle du lanceur. Regardez, nous montons en altitude, la distance au milieu, en bas de l'écran, c'est la distance du pas de tir, si vous deviez tracer une droite du pas de tir jusqu'au lanceur, et puis la vitesse en bas à droite, est exprimée en secondes, kilomètres par seconde, donc 2,19 km par seconde. C'est la vitesse de déplacement du lanceur. Là, une petite rotation de l'image, une belle image du lanceur. On voit très bien la coiffe. C'est au sommet du lanceur, à l'intérieur de la coiffe, se trouvent nos satellites. La coiffe les protège des rigueurs du lancement. C'est très sonore au lancement, les vibrations acoustiques. Évidemment, c'est très, très bruyant. Le lancement, on nous dit que tous les paramètres sont normaux. Et le frottement en bas à gauche, regardez bien, nous sommes au-dessus de la surface terrestre, 120 km. Nous passons par la couche atmosphérique très dense, plus le frottement à présent, car nous sommes dans l'espace. Nous pouvons larguer la coiffe. Nous en avons la confirmation, largage de la coiffe, et pour la première fois, nous pouvons distinguer nos satellites, les quatre satellites O3B, tout devant, amarrés à leur dispenseur tout à fait exceptionnel. Au milieu, regardez, entre le deuxième et le troisième étage, il y a un trou. Un trou revêtu d'un grillage. Pourquoi ? Parce que le Soyouz utilise une séparation propulsée. Les paramètres sont nominaux. Dans le jargon. Donc, allumage du moteur du troisième étage pendant que le deuxième étage est toujours en combustion, ce qui permet d'évacuer les effets de la combustion à travers ce grillage. Séparation bloc A. On nous apprend largage de la section arrière. La séparation du deuxième étage, le bloc A. Nous avons largué la section arrière. Donc, combustion du troisième étage à présent. Notre trajectoire, vous la distinguez. Nous passons le long de l'équateur. Nous avons quitté le pas de tir à la station de poursuite Gallio, tout près. C'est tout près de là où nous sommes actuellement. Et puis ensuite, la station de poursuite suivante est située à Natal. Ces animations de synthèse constituent un reflet simulé fondé sur les calculs des experts. Ce sont des calculs d'experts. Ils pensent que c'est à cela. C'est ainsi que les images reprennent la réalité. Donc, en fait, ils prennent tous les incidents. Ils établissent une chronologie fondée sur des calculs très précis. Je n'ai pas eu la possibilité de voir le panneau. S'il nous le montre à nouveau, nous pouvons éventuellement le voir. Mais bon, ils mettent dans l'ordinateur, ils en font une saisie, et issue de cette saisie, nous pouvons voir ce qui se passe dans l'espace. Cela nous donne la possibilité de nous le représenter, car dans l'espace, évidemment, nous n'avons pas de caméra située dans l'espace pour voir de près ce qui se déroule. Les paramètres à bord sont normaux. Sur place. We lifted off from the voilà, pad, un minutes, décollage, il y a six, peu de temps, il y a très peu de secondes, un lancement spectaculaire. Les quatre satellites O3B ont quitté le sol avec style, dans leur cabine première classe, avec leur ceinture de sécurité bouclée, à bord du 22e lanceur Soyouz, a quitté le pas de tir dédié ici, au centre guyanais.
l'acquisition de la télémesure pour la station de Natal au Brésil. À présent, nous sommes proches de la zone d'acquisition de la station de poursuite Natal et d'ailleurs, le DDO nous confirme l'acquisition par la station de poursuite Natal. On le situe très bien, cette station de poursuite qui se situe sur la côte nord-est du Brésil. On les appelle ces stations de poursuite parfois des stations aval. Ils couvrent le centre guyanais, mais également tous les bâtiments associés pendant le survol du lanceur, ce qui nous permet ici de suivre ce que fait le lanceur en temps réel. Mais cela nous permet également d'apprécier après coup ce qui s'est produit pendant le vol. Les données de vol proviennent du lanceur, passent par Moscou pour nous arriver. Donc parfois, il faut attendre un certain temps avant de recevoir ici les informations provenant du lanceur. Mais voilà, des incidents clés au moment prévu. La télémesure, on le dit télémesure en français, cela implique l'envoi du signal aux stations de poursuite. Donc par ce procédé, la télémesure, cela permet de prendre des mesures à distance. Provenance grecque d'ailleurs, télé, ce qui signifie à distance, télévision, par exemple, télémédecine, médecine, des soins apportés à distance, et mettront la mesure, donc prendre des mesures à distance, utiliser dans un bon nombre de domaines pour les soins de santé, l'extraction, domaine pétrolier et gazier. Donc, le moment prévu pour la séparation du troisième étage. On peut le voir à l'écran. Séparation frégate. La confirmation nous vient du DDO, séparation du troisième étage. Et nous approchons à présent de la phase suivante du voyage, là où l'étage supérieur va reprendre le volant, pour ainsi dire. Il s'apprête justement à effectuer cette étape de la mission. Il va allumer son moteur. Il s'agit du préallumage, un rapide coup d'accélération. On ne le distingue pas, mais cela repousse les fluides dans les réservoirs pour s'assurer qu'il y a assez d'ergol, de carburant pour allumer convenablement le moteur. C'est un peu comme si vous appuyez sur l'accélérateur dans votre automobile et tout d'un coup, vous allez gagner en vitesse et vous êtes collé, plaqué contre votre siège. Voilà le moment prévu pour l'allumage du moteur du frégate pour la première combustion. Quelle en est sa fonction? Livrer les satellites à leur point d'injection de largage dans l'espace. Et nous allons apprendre davantage, justement, sur ces satellites. Je m'appelle Véronique Loisel et je suis chef de projet chez Arianespace. Pour ce projet, mon travail consiste à servir d'interface avec notre client SES pour tout sujet technique, mais également pour les aspects contractuels, communication, financier, assurance et juridique. Notre mission est de répondre au mieux aux demandes de nos clients. Ce lancement intervient suite aux 4 premiers lancements Soyuz STB dédiés au déploiement de la constellation O3B, également réalisé avec succès en Guyane depuis juin 2013. Assemblés sur un dispenseur spécifique sous la coiffe, les 4 nouveaux satellites en bande KA rejoindront la constellation SES existante de 16 satellites MEO en orbite à environ 8000 km de la Terre. Le service en orbite offre une connectivité Internet améliorée avec une performance équivalente à la fibre et une haute capacité pour les solutions de gestion de données. Comme les précédents, ces 4 satellites O3B ont été construits par Thales Alenia Space. Et maintenant, je voudrais vous présenter Tim Gore, chef de mission adjointe O3B F5. Tim, pourriez-vous nous donner quelques explications sur les satellites O3B et la mission de cette constellation?
Bien sûr, seule constellation de satellites non géostationnaires ayant fait ses preuves et son premier lancement en 2013. Unique en son genre, la constellation à haut débit O3B a été essentielle pour que SES réalise sa vision ambitieuse. Transformer la vie en connectant les gens à Internet. Son impact incontestable est ressenti par des clients dans près de 50 pays. Située à 8000 km de la Terre, seule la constellation MEO O3B offre une connexion comparable à la fibre, à faible temps de latence au service des marchés gouvernementaux, des données fixes et de la mobilité. Avec ses satellites supplémentaires, cette constellation évolutive va contribuer à élargir la couverture mondiale. SES Networks pourra ainsi augmenter la disponibilité et la fiabilité des connexions et répondra à la demande commerciale croissante d'applications en réseau dans le domaine gouvernemental, maritime, du cloud et de l'énergie. Les 4 satellites lancés aujourd'hui constituent l'ultime série de satellites O3B à rejoindre notre flotte MEO de première génération. Ils font la transition vers notre MEO de prochaine génération, la très attendue O3B Empower prévue en 2021. Opérationnel, O3B Empower sera à nouveau transformé le marché. Merci pour ces explications, Tim. Nous nous reverrons un peu avant la première séparation de satellites. Parfait, j'ai hâte. Je voudrais saisir cette occasion pour remercier Thales Alenia Space pour leur travail excellent tout au long de ce programme. Bien entendu, je voudrais également remercier notre client bien connu, SES, pour la confiance qu'il continue de nous accorder depuis plus de 30 ans. En effet, pendant ce film, nous devions acquérir le signal au niveau de la station de poursuite sur l'île d'Ascension. C'est un affleurement rocheux au milieu de l'Atlantique. Nous traversons l'Atlantique pour rejoindre la côte ouest du continent africain. Voici les équipes de SOS, je le vois sourire. Et cette île, île de l'Ascension, était un lieu où on faisait escale au balbutiement des vols commerciaux. La NASA y avait d'ailleurs une antenne parabolique pendant la course vers les étoiles au milieu des années 90 et utilisée, me semble-t-il, pour suivre les missions Apollo. Donc, son rôle a revêtu un intérêt significatif au fil des années. Donc, l'étale supérieure frégate, on prévoit l'extinction de son moteur très bientôt. Et une fois l'extinction exécutée, nous entamons la phase successive de la mission appelée la phase balistique. Balistique signifie qu'on avance sans moteur, donc sans propulsion. Alors, lanceur doit être à altitude suffisante, à une vitesse suffisante pour permettre cette avancée sans propulsion. On économise ainsi du carburant, on optimise les conditions de vol. O3B a commencé ses prestations en septembre 2014 et depuis lors, la constellation se renforce sensiblement. In 2009, SES's investment in the O3B Medium Earth Orbit, or MEO constellation, marked a new venture into non-geostationary satellites. This pioneering move disrupted the traditional satellite market and established SES's vision to connect the underserved on a global scale. Vision became reality in 2013 with the first MEO satellite's launch. And here today in the jungles of French Guiana, we launched O3B. For the last few years, our life at O3B has been about building stuff. From today, that all changes. From today, our business is about our customer's company, and we aspire to be the team that you choose to work with. Ever since, the O3B constellation has delivered against its bold vision. Today, the O3B system delivers to nearly 50 countries around the world. And now if you go to the DRC or to South Sudan or to Chad or to the Amazon or large parts of the Pacific, what you see is people connected to the internet, connected to the world's marketplace and the world's universities, connected to the world's health systems. We've had a dramatic impact. The Prime
Prime Minister, in his speech yesterday, made the comment that APEC was the most important thing that's happened in PNG in the years since independence in 1975. We had the responsibility to ensure that we were able to provide seamless connectivity to the visiting leaders, the media. We basically needed a turnkey solution: supply, install, commission, and then support through APEC, and we got all of those things from SES. On a utilisé la DSL, on s'est rabattu aussi sur la 3G parfois pour pouvoir nous soulager, mais bon, la connexion n'était pas toujours satisfaisante à notre goût. Alors avec cette station qui a été installée sur le territoire régional, nous avons un service qui a une qualité sincèrement irréprochable. Avec cette station 3O3B, cet outil qui vient s'ajouter donc à tout l'arsenal juridique qu'on a et tout, va nous permettre bien sûr de chercher des plateformes pour une e-gouvernance au niveau de la région. Gracias a la solución que implementamos de O3 BMEO, pues Entel hoy en día brinda a todos sus usuarios 4G en su red. Hoy día en Iquitos los clientes pueden experimentar velocidades de bajada de datos de 10 megabits por segundo, así como lo pueden experimentar acá en Lima. SES, as partners, they cover 99% of the world's population with their satellite constellations, all in service to the guests, because it's all about the guest experience. The O3B system has already transformed our customers' businesses and their end users' lives. This launch is a really exciting and important one for us at SES, and also one that marks a very important point in the O3B journey. It marks the last four satellites in the first generation system of O3B, but it's also a massive introduction to the next generation O3B Empower, where we've taken the proven aspects of O3B, then we've scaled it ridiculously to bring that same capability, affordable, plentiful bandwidth, any place on the planet. With O3B Empower, we are now taking this proven model to the next level. Et les quatre satellites O3B signifiera que Arianespace aura lancé 61 satellites pour le compte de leurs amis. Le DDO nous confirme l'extinction du moteur au niveau de l'étage supérieur frégate et acquisition du signal à Libreville, au Gabon, sur la côte ouest du continent africain. Afrique de l'Ouest, c'est une ville portuaire baignée par le fleuve Como, proche du golfe de Guinée. Sauf à me tromper, la station de poursuite y est depuis 1994. Apparemment, l'agence spatiale allemande l'a établie à cet endroit. Donc, les satellites O3B, très sophistiqués. In an empowered world, you are free. Free to bring loved ones along on distant voyages. Observe. Protect. And enable rapid response with life-saving communication. Streamline operations in real time, no matter the location. Bring cloud services and content to new, uncharted markets. With global coverage and low latency performance, you're free to follow opportunities anywhere. O3B Empower, engineering freedom. Début des manœuvres d'orientation avant le deuxième allumage frégate.
So the range operations manager is telling us that TDO vient de nous annoncer que tout se passe de manière nominale et nous venons d'entamer la prochaine manœuvre. La frégate se prépare à rallumer son moteur, c'est le préallumage numéro 2, donc il va donner encore un petit coup d'accélérateur. Il utilise des petits propulseurs du système de contrôle d'attitude pour repousser ces fluides dans les réservoirs. Donc, cela signifie que les lignes ombilicales, les lignes d'alimentation sont remplies de fluides, ce qui est important pour que le moteur s'allume convenablement. Et là, vous voyez les quatre satellites construits avec beaucoup de soin et d'amour par les ingénieurs, les hommes et les femmes de Thales Alenia Space. Donc, à droite, en haut, vous voyez la trajectoire. Nous avons monté rapidement, ensuite on a traversé un plateau et maintenant nous arrivons au moment programmé pour le deuxième allumage du moteur qui va permettre aux frégates d'accélérer. Tout se passe normalement. Donc, nous sommes à la deuxième phase de combustion de frégates. Donc, on nous a dit que Frégate se trouve dans une orbite MEO, c'est-à-dire orbite terrestre moyenne. Mais pour ceux d'entre vous qui ne connaissez pas les orbites, je vais vous expliquer un petit peu. Il y a trois types d'orbites, d'autres aussi, mais ce sont les trois principales. C'est LEO, MEO et GEO, ça veut dire orbite géostationnaire, terrestre moyenne et terrestre basse. Donc, LEO, c'est le plus proche de la Terre. C'est une orbite à environ 2000 km de hauteur. Et en général, ce sont des satellites météo ou d'observation de la Terre qui utilisent cette orbite, ainsi que la Station spatiale internationale. Et voici l'équipe de Thales Alenia Space que vous voyez à l'écran. Donc, c'est eux qui ont construit ces satellites qui sont très sophistiqués. Et Robert Carpentier de Thales Alenia Space. Donc, à l'autre extrême, vous avez l'orbite géostationnaire. Et donc, les gens qui travaillent à Thales Alenia Space sont experts dans la construction de toutes sortes de satellites pour toute orbite. Donc, l'orbite géo est à 36 000 km au-dessus de la Terre. Et la plupart des satellites de télécommunication se trouvent sur cette orbite. Cela représente un dixième du trajet vers la Lune. C'est loin. Et finalement, MEO, notre orbite, l'orbite terrestre moyenne, qui peut atteindre jusqu'à 20 000 km, grosso modo. Et les nôtres vont monter jusqu'à 8 000 km. Il y a d'autres satellites sur cette orbite, sont par exemple les satellites utilisés pour le GPS, le système de positionnement russe. Il y a également certains satellites d'observation de la Terre et des missions scientifiques sur cette orbite également. C'est une orbite très utile. Confirmation du et pour les satellites O3B, cette orbite permet de réduire le temps de latence. Donc, lorsque les équipes O3B ont décidé de connecter des milliards de personnes avec une connexion Internet haut débit depuis le satellite, ils devaient trouver un partenaire industriel capable de construire ces satellites et ils ont bien trouvé leur partenaire chez Thales Alenia Space. Les ingénieurs de Thales Alenia Space ont beaucoup d'expérience dans la construction de ce type de satellite et ont beaucoup d'expertise dans ce type de technologie très sophistiquée. Cela représente vraiment un gros effort de travail d'équipe. Vraiment, c'est consortiums industriels sont composés d'un grand nombre d'industries, chacune contribuant sa part à l'œuvre. Donc, Thales Alenia Space a puisé dans son expertise pour inventer une technologie innovante pour O3B. The O3B journey started back in 2013, paving the way for broadband constellations. It's only now, 9 years later, that we fully realize
What a decisive moment the O3b constellation journey represented for the whole satellite industry. No one could imagine at that time that this project would be such a precursor in the broadband market. Thales Alenia Space is so proud of being part of the O3b exciting project from the very beginning. The launch of this fifth batch will augment the constellation, and these four new satellites will provide even more capacity, flexibility, and reliability to O3b's customers. At Thales Alenia Space, we are delighted of our outstanding partnership with O3b teams, and we value the special relationship we have developed over the years. This resulted in a high-performance satellite constellation offering communications and internet connectivity services at a fiber-like speed across the globe. I am convinced that this joint amazing journey will continue in the future. Today is important for all of us, and most of all for SES networks, who are continually expanding their business. My congratulations to all my teams for their enthusiasm and great job during these years, and my warmest thanks to SES for their continuous confidence in Thales Alenia Space. Donc, nous sommes suivis en ce moment par la station de poursuite de Malindi sur la côte orientale de l'Afrique. À partir après le lancement d'aujourd'hui, Arianespace aura lancé 159 satellites construits par Thales Alenia Space et un peu moins de la moitié pour des constellations. Il y a encore 7 satellites de Thales Alenia Space sur notre carnet de commandes. Donc, je disais bien Malindi sur la côte orientale d'Afrique, à qui le signal. Notre trajectoire nous amène actuellement vers l'Asie du Sud-Est. On devrait être au-dessus de l'océan Indien actuellement et on va survoler de très belles îles, les Seychelles, les Maldives. On va traverser l'Indonésie, la Nouvelle-Guinée, le Pacifique Sud et on va se diriger ensuite vers la côte occidentale de l'Amérique du Sud. O3b est vraiment un projet pionnier. Tous les systèmes bord fonctionnent nominalement. Rompu le moule. Le DDO vient de nous annoncer que tous les systèmes à bord fonctionnent normalement. Et c'est une bonne nouvelle. Donc, vous voyez à droite, en haut de votre écran, on grimpe très haut dans l'espace. Nous avons déjà couvert 11 000 km à travers la planète. Et si on avait suivi un trajectoire à vol d'oiseau sur la Terre, ça ferait 11 000 km. Et nous avons une vitesse de 8,39 km par seconde. Et vous voyez la trajectoire. En haut à droite, et on se dirige vers l'équateur. Donc, on est habitué maintenant à accéder à une connexion rapide, mais on oublie que c'est un vrai privilège de disposer d'une connexion rapide. Et maintenant, ce privilège sera offert à des populations vivant dans les régions équatoriales de la planète grâce à ce projet O3b qui amène cette connectivité à des populations qui n'en auraient pas eu autrement. Donc, nous avons parlé avec des représentants d'O3b qui sont vraiment ravis d'avoir pu jouer un rôle important pour permettre à ces populations d'avoir accès à Internet. On approche du moment programmé pour le début de la phase balistique, c'est-à-dire que le frégate va avancer sans moteur. La balistique est une science intéressante, c'est une science, une branche de la mécanique qui concerne le lancement, le vol et le comportement et les effets des projectiles.
Donc, un missile balistique est un missile qui est guidé uniquement durant la phase initiale très courte propulsée. Et c'est ce qui s'est passé ici. Nous avons utilisé de la puissance, une propulsion, et après on éteint les moteurs et on avance après sans moteur. Et après, la trajectoire est gouvernée par la mécanique classique appelée mécanique newtonienne, parce que c'est Newton qui a découvert ces règles, ces principes de mécanique. Et je crois, je ne suis pas scientifique, je crois quand on parle de cette phase balistique, on parle de la première loi de Newton, qui dit qu'il n'y a aucune force externe, il n'y a pas quelque chose qui pousse, aucune attraction terrestre, les choses qui sont à l'arrêt resteront à l'arrêt, et les choses qui se déplacent vont continuer à se déplacer. Et c'est ce qui se passe même quand on éteint le moteur. C'est vraiment malin, n'est-ce pas? Donc, on monte vraiment une pente assez raide dans l'espace. On monte à une altitude de 363 km. Les images que vous voyez sont les images du décollage il y a 33 minutes. On a vu ses bras s'écarter du lanceur. Et si vous regardez à droite en haut, nous avons fait une sorte de trajectoire en forme de montagne russe. Il y a eu le décollage, on est monté dans le ciel. Après, on a suivi une sorte de plateau et maintenant on commence à monter une pente assez raide. Donc, on reste près de la Terre pendant un moment pour arriver sur la bonne orbite. Et vous allez voir un peu plus tard comment tout cela fonctionne, parce qu'on va être, on est sur une orbite elliptique actuellement, une orbite en forme d'œuf. Donc, on va faire une petite pause maintenant. Nous sommes entrés dans la phase balistique. On va couper les micros pendant un peu plus d'une heure et on sera de retour d'ici une petite heure pour reprendre les commentaires. Donc, à tout à l'heure, d'ici une petite heure.
Hello and welcome back. Bonjour et bienvenue. Nous voilà de retour pour suivre le lancement des quatre prochains satellites de la constellation O3B. Nous sommes en direct depuis le centre spatial guyanais. Nous en sommes à 1h38 depuis le lancement du cinquième lot de satellites O3B. À l'heure actuelle, ils traversent l'espace à toute vitesse à bord de l'étage supérieur frégate. Donc, un petit rappel des événements. Ils ont décollé ici au CSG, sur la côte nord-est de l'Amérique du Sud, en Amazonie, la zone de lancement équatorial de l'Europe, à bord de VS-22, le 22e lanceur russe Soyuz qui aura décollé depuis le CSG en Guyane. Et nous avons eu beaucoup de chance parce que le lancement était vraiment magnifique. Il y a quelques jours, on regardait la météo et on prévoyait de la pluie, mais aujourd'hui, le temps était parfaitement sec. Nous avons largué les propulseurs et la coiffe, et ensuite les deux autres parties du triétage. Et ensuite, l'étage supérieur frégate a allumé son moteur après le largage du troisième étage et nous a transféré vers la prochaine phase du voyage. On s'est dirigé au-dessus de la région équatoriale. La frégate a rallumé son moteur pour une deuxième phase propulsée et se dirige actuellement vers South Point, à Hawaï, actuellement. Et depuis un peu plus d'une heure, frégate avance dans une phase balistique, c'est-à-dire sans moteur. Et donc, frégate conduit nos satellites vers leur orbite de séparation. Et on devrait y arriver d'ici environ 18 minutes. Je me trouve au centre de contrôle mission avec un invité très spécial que nous sommes ravis d'accueillir, J.P. Hemingway, qui est le PDG de SES Networks. Et JP est également un expert sur les données et l'Internet. Donc, si vous avez des questions après, c'est à lui qu'il faut les adresser. JP, bien entendu, nous connaissons tous l'Internet, mais qu'est-ce que cela veut dire pour vous? Pour nous, l'Internet est un droit fondamental qui connecte les gens aux gens, aux continents où ils résident, aux entreprises. Et là, nous assistons à une inflation de données à New York ou ailleurs. Mais il faudrait quand même en bénéficier partout. Et O3B, au départ, était censé atteindre les 3 autres milliards de personnes qui ne jouissent pas d'un connect de bon aloi à l'Internet. Donc il faut que tout le monde éprouve la bonne expérience où que vous soyez sur la planète. Et comme vous avez dit, O3B, à l'époque, visait à connecter les 3 autres milliards de personnes. Mais depuis, la population a beaucoup grandi. Nous avons lancé les premiers satellites en 2013. Et la constellation O3B et SES Networks ont vraiment été des pionniers. Nous l'avons vu tout à l'heure dans le programme. Si tout se passe bien aujourd'hui, nous allons avoir 20 satellites. Un vrai voyage qui nous fait remonter à 10 ans. J'ai peine à y croire, avec une vision audacieuse, avec la volonté de changer les attentes des uns et des autres par rapport aux satellites, la qualité d'expérience que vous pouvez avoir grâce à ces satellites. Donc il fallait quand même prouver certaines choses, faire la démonstration de la technologie, prouver que nous pouvions lancer une constellation susceptible de suivre des satellites et trouver des grappes enrichies au fil de l'eau. Car une fois lancées, il fallait quand même les étoffer. Donc prouver un certain nombre de choses. La technologie, c'est derrière nous à présent. Et ensuite prouver que cela pouvait fonctionner, fournir des prestations de bonne facture avec moins de temps de latence pour que tout le monde puisse bénéficier la même expérience, que vous soyez à New York ou au centre du continent africain. Donc nous avons prouvé certaines choses, mais également prouvé que c'est viable sur le plan commercial. Il faut que ce soit évolutif pour rendre tout cela durable. Et voilà, donc il faut le rendre pérenne.
européenne, nous l'avons fait. Mais nous avons cette vision audacieuse avérée en ce qui concerne son contact sur les gens. Les clients à travers le monde, il faut quand même savoir aussi ce qu'ils ont pu faire à travers ces services, ces prestations. Nous avons réparti notre marché sur plusieurs segments. Nous avons les sociétés de données fixes, par exemple, 4G, LTE notamment, c'est la nomenclature. De temps en temps, ça m'énerve parce que j'entre dans une zone, il y a du 2G, mais c'est la réalité. Donc, grâce à ces nouvelles constellations, nous pouvons proposer un Internet au début dans les zones où qu'elles soient très reculées en Afrique ou en Amérique latine, ou sur des vaisseaux de croisière, pour que tout le monde puisse bénéficier de ces 3G, 4G, comme si, en fait, ils se trouvaient sur le sol new-yorkais. Nous avons fait aussi des choses fabuleuses à travers les gouvernements, les agences gouvernementales et l'action humanitaire à travers celles-ci. En Afrique, notamment, nous avons aidé au déploiement de la connectivité à destination de ces missions de maintien de la paix, qui sont adossées à des besoins de logistique énormes pour sécuriser les populations. Nous avons doublé ces sites en Afrique. Nous les avons fait passer de 10 à 20 pour que tout le monde puisse avoir un approvisionnement et sécurisé. Donc voilà, deux segments très populaires depuis 5 ans. Et le dernier exemple, dans le secteur maritime. On parle souvent, et cela pèse énormément dans notre activité, ces vaisseaux de croisière. Ce sont des véritables cités flottantes. 7000 personnes à bord. Et en fait, auparavant, ils avaient une bande passante très étroite, restreinte. Et maintenant, ils peuvent avoir la même expérience d'Internet sur ces bateaux que chez eux depuis leur foyer. Donc voilà. Donc vous avez été très occupé. Vous transformez littéralement les vies. Donc vous avez parlé de vos satellites qui sont en MEO, en orbite terrestre moyenne, mais il y a d'autres. Vous avez SES a des satellites en GEO. Quelle est la différence? Bonne question. Je dis qu'on aime les faire travailler de concert, donc les GEO et les MEO qui travaillent la main dans la main. Pourquoi? Parce que imaginez-vous, je ne sais pas, un globe terrestre chez vous. Vous avez une lampe torche et vous êtes très loin du globe terrestre avec vos GEO. Vous allez illuminer une grande partie du globe. Vous pouvez voir éclairer un grand nombre de tours cellulaires, de vaisseaux, de maisons. Là, vous pouvez toucher beaucoup de gens en leur acheminant un grand volume de données. Mais en vous rapprochant, imaginez que vous rapprochiez votre lampe torche. Le faisceau s'amenuise, mais plus intense. Donc voilà, il vous est possible d'avoir moins de temps de latence. Ça améliore votre expérience. Donc là, vous avez un débit très important, bande passante étoffée. Et voilà, donc avec les gens qui ont peut-être, je ne sais pas, des problèmes de latence, de temps de latence, là, en fait, nous pouvons jouer avec GEO, MEO pour acheminer les informations en bon port. Donc, si vous passez par cette démarche de souplesse pour réajuster votre tir, c'est très important. Et nous avons plus de 70 satellites dans nos cieux qui nous donnent. Il y a un certain nombre de constellations dans l'espace qui prévoient de travailler en orbite terrestre basse. En quoi êtes-vous différent de ces services-là? Ben, je dirais d'entrée de jeu que, voilà, on parle beaucoup, il y a beaucoup d'investissements dans ces constellations, que ce soit GEO ou dans les orbites terrestres basses. Bon, tout ça, c'est très bon. C'est très bon pour la filière de la télécommunication sur le plan général et pour les clients aussi, parce que cela revient à dire que les satellites vont s'inscrire dans le standard des communications. Ce serait très important, qu'ils doivent être utilisés avec la fibre et autres démarches. Donc voilà. Mais je pense que toutes ces constellations ne vont pas forcément voir le jour. Un certain nombre d'entre elles, si. Mais bon, pour en revenir à votre question, vous avez évoqué le rapprochement de cette lampe torche de ce globe terrestre. Donc voilà, vous voulez avoir moins de latence et une bonne bande passante. Et je ne sais pas, vous pouvez peut-être passer de l'Afrique à Londres. Et si vous voulez passer d'Afrique en Londres, il faut passer par des sauts de puce supplémentaires pour rejoindre votre destination. Donc finalement, le délai de latence, c'est pareil. Donc en fait, l'orbite terrestre moyenne, c'est... Donc, il nous reste que 30 secondes, mais comment est-ce que vous allez poursuivre ce développement?
Donc il faut quand même être perturbateur, perturber les attentes, aller plus loin. C'est la, nous avons cette constellation composée de 20 satellites, nous allons passer de terabit à gigabit, nous allons augmenter nos souplesses, des milliers de faisceaux plutôt que de centaines. Donc tout ça est passionnant. Et vous avez toujours cette vision énorme de la part de SES et O3B. Merci beaucoup et meilleurs voeux pour votre nouvelle aventure. Et donc, nous allons passer à la prochaine phase. On va regarder un film sur la constellation d'O3B de SES Networks. In 2009, SES's investment in the O3b Medium Earth Orbit, or MEO constellation, marked a new venture into non-geostationary satellites. This pioneering move disrupted the traditional satellite market and established SES's vision to connect the underserved on a global scale. Vision became reality in 2013 with the first MEO satellite's launch. And here today in the jungles of French Guiana, we launched O3b. For the last few years, our life at O3b has been about building stuff. From today, that all changes. From today, our business is about our customer's company, and we aspire to be the team that you choose to work with. Ever since, the O3b constellation has delivered against its bold vision. Today, the O3b system delivers to nearly 50 countries around the world. And now if you go to the DRC or to South Sudan or to Chad or to the Amazon or large parts of the Pacific, what you see is people connected to the internet, connected to the world's marketplace and the world's universities, connected to the world's health systems. We've had a dramatic impact. The Prime Minister in his speech yesterday made the comment that APEC was the most important thing that's happened in PNG in the years since independence in 1975. We had the responsibility to ensure that we were able to provide seamless connectivity to the visiting leaders, the media. We basically needed a turnkey solution, supply, install, commission, and then support through APEC, and we got all of those things from SES. On a utilisé la DSL, on s'est rabattu aussi sur la 3G parfois pour pouvoir nous soulager, mais bon, la connexion n'était pas toujours satisfaisante à notre goût. Alors avec cette station qui a été installée sur le territoire régional, nous avons un service qui a une qualité sincèrement irréprochable. Avec cette station O3B, cet outil qui vient s'ajouter donc à tout l'arsenal juridique qu'on a et tout, va nous permettre bien sûr de chercher des plateformes pour une e-gouvernance au niveau de la région. Gracias a la solución que implementamos de O3 BMEO, pues Entel hoy en día brinda a todos sus usuarios 4G en su red. Hoy día en Iquitos los clientes pueden experimentar velocidades de bajada de datos de 10 megabits por segundo, así como lo pueden experimentar acá en Lima. SES, as partners, they cover 99% of the world's population with their satellite constellations, all in service to the guests, because it's all about the guest experience. The O3b system has already transformed our customers' businesses and their end users' lives. This launch is a really exciting and important one for us at SES, and also one that marks a very important point in the O3b journey. It marks the last four satellites in the first generation system of O3b, but it's also a massive introduction to the next generation, O3b Empower, where we've taken the proven aspects of O3b, then we've scaled it ridiculously to bring that same capability, affordable, plentiful bandwidth, any place on the planet. With O3b Empower, we are now taking this proven model to the next level. Image magnifique de la part du drone, image de notre centre. Et le lanceur que vous avez vu, ce n'est pas l'Ariane 5 authentique, c'est une maquette à trois quarts d'Ariane 5.
Nos satellites, qu'en est-il? Ils s'approchent de la prochaine phase. L'étage supérieur frégate s'apprête à allumer son moteur. Nous attendons la confirmation de la part du DDO. Et pour rappel, nos confirmations nous viennent un petit peu après l'incident en question, car l'information passe de la station de poursuite à Moscou avant que ces informations nous parviennent. Donc, nous pouvons assister à l'incident en simulation, puis ensuite, nous allons recevoir les informations via Moscou. Et nous allons voir d'ailleurs les équipes en question qui reçoivent ces informations un petit peu plus tard. Il nous dit que les paramètres sont normaux à bord de frégate. Ici, derrière moi, pas plus tôt, il y a devant nous le bocal. Arianespace s'engage dans des partenariats durables avec ses partenaires et donc avec ses quatre satellites O3B. Ça aura été le 57e lancement de satellites. Donc, c'est un bilan plutôt impressionnant. En ce qui concerne la constellation O3B, quelques-unes de ces équipes travaillent la main dans la main depuis des mois et pour certaines d'entre elles, depuis des années. Ce type de campagne forge des liens robustes et fonde des amitiés durables. Évidemment, les équipes doivent travailler la main dans la main, de concert, remédier à des problèmes et à connaître des moments joyeux également. Repassons au DDO. Nous voilà de retour aux côtés du chef de mission adjoint pour O3B F5, Tim Gore. Tim, plus que quelques minutes seulement avant la séparation de la première paire de satellites, on peut parler d'une très forte implication chez SES et Thales Alenia Space Industries, Arianespace et le CNES pour préparer les satellites O3B pour cette mission Soyuz VS-22. Pour vous, les liens unissant ces entités constituent-ils un atout? Absolument, c'était notre cinquième campagne de lancement avec le lanceur Soyuz, assorti de son étage supérieure frégate, une campagne inédite sur le plan de la fluidité. Elle se signale par son grand professionnalisme, son esprit de coopération animé par nos équipes conjointes réunissant SES, Thales, Arianespace et le CNES. Le lancement de ces quatre satellites marque l'aboutissement de plus de 3 ans d'efforts conceptuels et de fabrication. Je tiens à saluer tous ceux qui nous ont permis de faire ce chemin. Je rends un hommage appuyé à leurs familles, à leurs proches. C'est grâce à eux qu'ils ont pu soutenir le tempo 24 heures sur 24. Dites-nous en quelques mots, après la séparation des satellites, comment vont se dérouler les opérations de mise à poste? Oui, les satellites seront injectés sur une orbite plus basse que leur orbite opérationnelle définitive. Peu après leur séparation, leurs panneaux solaires se déploieront, suivront des manœuvres de montée en orbite visant à placer les satellites sur leur orbite définitive. Tandis que les satellites gagnent en altitude, on va vérifier tous les sous-systèmes, tout le matériel présent sur la plateforme satellitaire. Une fois les satellites sur la bonne orbite, on devra valider la qualité opérationnelle des instruments de télécommunication embarqués, puis on confiera le contrôle des satellites à notre équipe opérationnelle SES. Merci Tim. Il ne nous reste plus qu'à attendre la séparation de la première paire. Les voilà dans le bocal, à l'intérieur de leur espace, derrière des vitres très épaisses. Ce centre est réparti en deux zones, le public d'un côté et les personnes chargées de l'opération proprement dite de l'autre côté. Pour rappel, voici la partie résiduelle de notre lanceur. À gauche, la structure dorée des réservoirs sphériques, des réservoirs pour l'avionique et pour les ergols, et rattaché à cela, à l'aide d'un dispositif exceptionnel, c'est un dispenseur, et amarré à ce dispenseur les 4 satellites.
Nous sommes poursuivis par la station de South Point, sauf à me tromper, et nous sommes passés au-dessus de l'équateur. Voici donc la trajectoire en haut à droite de l'écran, et puis en bas aussi. Nous avons traversé l'Atlantique, nous avons survolé le continent africain, sur l'océan Indien, l'Indonésie. Nous sommes passés par le Pacifique et maintenant nous avons été repérés par Hawaï. South Point, pourquoi? Eh bien, parce que c'est la partie la plus méridionale de l'île et constitue le 50e État des États-Unis. Quel est son nom? Peut-être que j'ai écorché le nom, mais je crois que c'est le terme adéquat. En fait, il s'agit d'une zone du patrimoine national. Donc, l'étage supérieur frégate, c'est le moment prévu pour l'extinction de son moteur. Nous avons quitté la pointe nord-est du continent sud-américain, c'est là le point d'élancement du lanceur en Guyane française. Nous avons connu une phrase balistique prolongée. Et pendant ce laps de temps, le frégate a stocké ces informations, recueillies tout au long du vol et au moment de l'acquisition de la station de poursuite suivante. Il va renvoyer ces informations aux équipes au sol. Ici, au Centre spatial guyanais, les équipes, les voilà. Nous avons reçu la confirmation du DDO pour nous dire que le frégate, l'étage supérieur du lanceur, a éteint son moteur. Voici donc les équipes du CVI. C'est le contrôle visuel immédiat. Donc, ils reçoivent toutes les informations télémétriques en provenance du lanceur. Ensuite, ils trient ces informations, les informations sur l'évolution du vol en temps réel. Et en même temps, cela leur donne la possibilité d'apprécier la qualité du vol après coup, pour ensuite passer des informations au DDO pour alimenter ces annonces. Et voici le centre de contrôle à Moscou, qui s'appelle SOUP. Les équipes sur place qui valident les informations qu'ils reçoivent, parce que comme vous le savez, Soyouz, c'est un lanceur russe. Bien, nous approchons le moment de la séparation, nous l'appelons ainsi, c'est la nomenclature consacrée. Séparation signifie livraison, car pour l'instant, ils demeurent attachés à marais, à leurs dépenseurs. Donc en fait, c'est une sorte de chauffeur de taxi intelligent, c'est le moment où ils vont les déposer. Ouvrir les portières et les déposer, mais c'est une manœuvre autrement plus précise. Donc des manœuvres d'orientation d'une précision inouïe. Peut-être pouvez-vous distinguer des étincelles. C'est peut-être les tuyères. Le frégate, à l'aide de ces tuyères, va pouvoir s'orienter dans l'espace. Donc voici le moment prévu pour la séparation de la première paire de satellites. Nous allons attendre de recevoir la confirmation du DDO, mais c'est à cela que cela ressemble. Il y a deux satellites, une paire qui nous rapproche dans ce plan rapproché, il y en a un autre à l'opposé que nous ne voyons pas à l'image. Le mouvement, le déplacement est en sens opposé pour éviter que ces équipements, ce matériel percute un autre objet. Tout est bien planifié. Et puis bon, pour l'instant, la deuxième paire demeure attachée au vaisseau mère. Ces satellites évoluent très lentement, même si le reste du lanceur tourne autour de la planète à toute vitesse, à 4,26 km par seconde.
Nous attendons que nous vient l'information du DBO pour confirmer la séparation. Confirmation reçue, effectivement, les deux premiers satellites ont été détachés. Ils commencent leur vie à présent dans l'espace. Ils vont transiter par une série de manœuvres. Ils ont été questions tout à l'heure. Monsieur Gore nous les a évoquées dans le détail. De quoi s'agit-il? Il leur faut déployer leurs panneaux solaires, recueillir de l'énergie solaire, de sorte qu'ils puissent entrer en service et renvoyer leur signal aux équipes au sol, les équipes de Thales Alenia Space chargées de ces opérations au stade précoce de ce que nous pouvons appeler l'étape layoffs. Donc nous passons à la pause d'une durée de 8 minutes car il nous faut attendre la séparation de la deuxième paire de satellites. Nous allons se voir dans 8 minutes. Je vais fermer mon micro pour attendre 8 minutes. À tout de suite.
Bonjour, nous voilà de retour. Nous sommes en direct au Centre spatial guyanais. Et nous en sommes à 2h11 depuis le lancement des 4 satellites O3B. Et nous avons déjà séparé les deux premiers et nous nous apprêtons à séparer la deuxième paire. Mais nous avons quelques films à vous montrer avant cela. Ariane Space a une très grande expertise dans le lancement de constellations de satellites. En fait, depuis 20 ans, ils ont déjà lancé 109 satellites pour des constellations. Et ils ont mis au point une technologie spéciale pour cela. Bonjour, je m'appelle Marc Grosset, je suis président de l'unité commerciale dédiée à Soyouz. Je suis chargé du programme Soyouz chez Arianespace, plus précisément de la coordination des activités Soyouz. De plus, j'assure la liaison avec nos partenaires russes. Nous allons mettre bientôt en orbite 4 satellites supplémentaires pour le compte de SES et de O3B. C'est leur 5e lancement, représentant à ce jour près d'un quart des lancements Soyouz réalisés depuis le CSG. Outre la solution de lancement hautement fiable proposée par Arianespace, en atteste plus de 1900 lancements Soyouz, Arianespace a été choisi par O3B en raison de sa maîtrise de projets complexes tels des lancements de constellations. Le lanceur Soyouz répond aux exigences des constellations, en témoigne entre autres plus de 15 lancements O3B. La polyvalence de l'étage supérieur frégate associée au dispenseur dédié permet de répondre parfaitement aux spécificités des missions O3B. Membre du département environnement de la charge utile et interface, je dois vérifier la compatibilité des charges utiles destinées au VS-22 avec l'environnement opérationnel du lancement. Mon département s'assure de la conformité du satellite aux spécificités de la mission et des programmes. Nous devons également mettre au point des structures faisant office d'interface avec le satellite. Pour O3B Networks, un dispenseur dédié, interface entre le satellite et le lanceur, a été développé. Pour lancer des satellites multiples, on utilise des systèmes de dispenseurs bien adaptés aux constellations comme O3B Networks. Sa mise au point, menée par Arianespace et confiée à Ariane Group, a débuté en 2009 pour le premier lancement d'O3B Networks en 2013 à bord d'un Soyouz depuis le CSG. Le dispenseur O3B, intégré au lanceur Soyouz, porte 4 satellites O3B Network au sol et pendant le vol jusqu'à leur séparation. Les principales parties du dispenseur O3B sont le sous-système structure, le sous-système séparation et le harnais électrique. Le système structure répartit la charge entre le satellite et le lanceur au sol et pendant le vol. La partie supérieure fait interface avec les 4 satellites et le cône inférieur établit une liaison avec un cadre situé plus bas où le dispenseur est boulonné aux frégates, l'étage supérieur du lanceur. Le sous-système séparation permet de fixer les 4 satellites O3B au dispenseur. Il est constitué d'un dispositif de maintien de libération et des poussoirs et maintient les satellites en place durant les opérations sol et pendant le vol et les libère dès réception de la commande du lanceur. Le harnais électrique est composé de lignes ombilicales reliées à chaque satellite, d'initiateurs pyrotechniques pour la séparation du satellite et d'un harnais d'instruments. Nous avons hâte de retravailler avec nos clients et fournisseurs de composants tels Ariane Group pour la mise au point d'interfaces lanceur-satellite dédiées. La mission VS-22 est le 4e lancement Soyouz depuis le CSG en 5 mois. Bilan impressionnant pour ce dispositif de lancement qui a vu le jour ici en 2011. Il démontre notre capacité, aux côtés de nos partenaires russes, à réaliser un taux de lancement élevé afin de servir au mieux nos clients. Cela nous met en bonne position pour la période ambitieuse à venir, la volonté de réaliser 20 lancements Soyouz en 2 ans. Au-delà de Soyouz, notre famille de lanceurs actuels se met au service des constellations. À ce jour, Arianespace a lancé 113 satellites à travers 30 lancements sur Ariane, Soyouz et Vega. La prochaine génération de lanceurs européens, mise au point sous l'égide de l'Agence spatiale européenne par Ariane Group et Avio, sera habilement ajustée à la demande croissante sur le marché des constellations. Eh bien, comme vous le voyez, il y a vraiment de l'innovation à chaque niveau. Innovation pour créer le satellite de la part de Thales Alenia Space, innovation chez Arianespace. Les équipes d'ingénieurs ont créé ce
dispenseur magnifique et innovation de la part des équipes au sol. Arianespace dispose de 3 lanceurs, comme vous pouvez le savoir, et nous pouvons amener n'importe quel satellite sur n'importe quelle orbite. Ici, nous avons utilisé le composite supérieur frégate pour 3 phases propulsées. Valérie va nous dire pourquoi. Frégate réalise 3 phases propulsées afin d'atteindre l'orbite de séparation. Les 2 premières sont réalisées au-dessus de l'océan Atlantique et de l'Afrique équatoriale, respectivement, afin d'atteindre l'orbite de transfert elliptique. À ce moment, une phase balistique de 80 minutes commence afin d'atteindre l'apogée à 7800 km. Pendant la majeure partie de cette phase balistique, le stack, c'est-à-dire le dispenseur avec les 4 satellites, tournera lentement sur son axe longitudinal à 1 degré par seconde. Ainsi, nous équilibrons la charge thermique pendant l'exposition au soleil. C'est pourquoi nous appelons cela le mode barbecue. Ensuite, la 3e phase propulsée transforme l'orbite elliptique en l'orbite circulaire ciblée pour la séparation des satellites au-dessus de l'océan Pacifique. Une fois la première paire de satellites séparés, Frégate réalise une phase balistique et une courte phase propulsée afin de créer la bonne distance entre les 2 paires de satellites. Les séparations seront visibles depuis la station de South Point. Donc, quelques informations techniques là, très utiles. Et pour ceux qui ne savent pas ce que signifie une orbite elliptique, l'apogée et le périgée, une orbite elliptique a une forme d'œuf. Et je pense que l'apogée est le point le plus distant et le périgée le point le plus proche de nous. Lorsque nous nous sommes lancés sur cette orbite elliptique. Donc, nous avons dit que Arianespace a lancé 109 satellites pour des constellations. Regardons un peu certains de ces lancements. Bleeding.
un grand nombre de lanceurs. À l'image, il y a un instant, les trois lanceurs principaux, on l'a vu, mais dans une itération un peu différente. Nous utilisons le lanceur moyen, et ensuite Vega, le tout petit, et puis Ariane étant le gros ours, et un peu comme boucle d'or. Donc voilà, nous grimpons en altitude, nous nous enfonçons dans l'espace, et nous avons atteint un palier. Car nous avons rejoint notre orbite, nous allons plus grimper, notre altitude 7836 km au-dessus de la surface terrestre. C'est l'altitude de laquelle la séparation va s'effectuer. Et ensuite, moment prévu pour la séparation de la dernière paire de satellites, mais nous allons entendre la confirmation du DDO. Mais c'est à cela que ça ressemble. Nous voyons mieux cette fois-ci, nous pouvons voir les deux et leur évolution. En sens opposé, se tournant le dos, chacun partant dans son sens, et nous pouvons voir maintenant la partie résiduelle du lanceur, l'étage supérieur frégate avec le dépenseur au milieu. C'est un tube, nous l'avons vu à l'écran il y a un instant. Nous attendons deux choses. We need the range operations le DDO doit, pour sa part, nous confirmer que nos satellites ont effectué convenablement leur séparation. Après, il faut savoir si tout se passe comme cela devrait dans l'espace. Donc, dans le bocal, on attend un signal provenant de ces deux satellites. Ces satellites doivent décrocher le combiné et appeler la maison. Well, that's great news. Voilà, so we have separation confirmed. Nous avons la confirmation de la séparation aboutie. Le lanceur a accompli sa mission et Frégate donc a accompli sa mission. C'est-à-dire, il a su livrer les satellites à leur point d'injection, puis ensuite à la position idoine pour ces satellites dans l'espace. Nous allons revoir quelques images du lancement pour garder en souvenir cet instant. Nous avons quitté le pas de tir il y a 2 heures et demie, peu au bout. Nous avons eu de la chance car nous n'avons pas reçu une goutte de pluie. Et regardez, le ciel plutôt clément. De couverture nuageuse. Quelques nuages épars, mais nous avons pu quand même distinguer le lanceur par-delà la couverture nuageuse. Voilà. Tout le monde l'a vu en direct, non pas par le biais d'un écran, non pas ici dans le bocal et dans l'espace adjacent. Tous ceux à l'extérieur, ils auront connu ce grondement synonyme de puissance quand le lanceur a traversé l'Atlantique. Regardez à quel point c'est beau. Belle image là du vol du lanceur qui s'élance dans le ciel au-dessus du centre spatial guyanais en traversant la forêt amazonienne, traversant l'océan. Et nous pouvons d'ailleurs voir la forêt. Et là, nous voyons la maquette aux trois quarts d'Ariane 5. Ici, il s'agit de Soyuz pour ce lancement, mais là, c'était Ariane. Et pour ces différents bâtiments, nous avons distingué, mais ici, à l'intérieur, vous pouvez peut-être me voir agiter la main tout au fond. Regardez les fenêtres tout au fond, de l'autre côté du bocal. Je vais agiter de nouveau la main du côté du public. Et ensuite, nous avons les invités de marque. Et puis, au premier plan, que voit-on ? Les techniciens, les équipes opérationnelles. Nous attendons le signal. Les signaux provenant des satellites. Nous voulons les entendre, voir que tout se passe bien de leur côté. It's the teams at the South Point tracking les équipes à la station de poursuite à Hawaï, ce sont eux qui dressent l'oreille pour capter ce signal provenant du lanceur. Really voilà, now. Les uns les autres rivés à leurs écrans respectifs, l'air très studieux.
Et je pense à tous ceux qui sont chargés de ce travail ardu dans les différentes stations de poursuite. On y travaille dur. Ces stations sont jalonnées le long de l'équateur pour ce vol-ci. Ils écoutent à travers leurs antennes paraboliques. Ils veulent capter ce signal en provenance du lanceur pour capter les données pour recevoir, recueillir ces informations provenant, disais-je, du lanceur. La première paire de satellites libérés il y a peu, et nous pensons que leurs manœuvres de déploiement sont à l'œuvre. Ces manœuvres débutent théoriquement dès la séparation. Les panneaux solaires, chose intéressante, ces panneaux solaires ont au premier chef la fonction de recueillir le rayonnement solaire pour transformer cela en électricité pour que les satellites puissent gagner en vitesse, puissent lancer le moteur et opérer leur vérification, leur contrôle. Mais cela a une deuxième fonction, éviter que les satellites dévisse, vrille, chute, car au moment de la libération du satellite, le satellite va s'éloigner du dispenseur selon une vitesse d'un demi-kilomètre par seconde pour éviter tout choc. Nous les avons vus, n'est-ce pas, grâce à ces animations de synthèse, ces satellites évoluent à une demi-kilomètre par seconde. Ça n'a pas l'air très rapide, mais pour moi, c'est plutôt rapide, même si, à l'image, l'évolution a paru très lente. Mais il y a un déséquilibre au moment de leur libération, et cela peut entraîner une chute. Donc, une fois les panneaux solaires déployés, ça leur permet de s'équilibrer. Un peu comme une corde raide d'un saltimbanque qui déploie les bras en forme d'aile pour ne pas tomber. Nos bras n'ont pas un effet stabilisateur aussi efficace qu'un panneau plat. Mais bon, ces satellites sont dotés également de propulseurs pour éviter cette chute, ou tout au moins de maîtriser le déplacement si la chute commence. Alors, j'ai cru comprendre qu'il faut attendre 3 jours pour que les satellites rejoignent leur poste opérationnel. Ces satellites doivent s'orienter vers la Terre pour nous envoyer des faisceaux. Les équipes chez Thales Alenia Space, chargées de tous les contrôles orbitaux, chargées de layups, dans le jargon, on l'appelle ainsi, les manœuvres layups. Ces équipes sont situées dans divers centres, mais Thales Alenia Space, il s'agit de un géant dans le spatial, très expérimenté dans la construction de ces constellations, plutôt des constellations opérationnelles, exploiter ces constellations. And we have confirmation. Ah, voilà, confirmation reçue. La mission aboutit. Les satellites ont appelé la maison, nous avons reçu le signal. Big slaps on the back. Voilà, des accolades partout. Who has worked so hard for today. Ils ont travaillé très dur pour connaître ce jour. Ils peuvent être très fiers du travail accompli. Je vois les équipes SES, je vois également les équipes de Thales Alenia Space. Voilà, ils se font prendre en photo. Ils ont l'air très, très heureux. It's a great feeling. Voilà, ils doivent se sentir très heureux. Un travail bien fait. Je vois le DDO qui a fait ces différentes annonces pour jalonner la mission, pour nous tenir au courant. Et puis, il y a le chef de mission qui est à l'image également.
Vraisemblablement, il y a une nouvelle tradition, le port d'un chapeau. J'apprécie, très utile ici sur l'équateur où le soleil peut être féroce. Tout le monde va vouloir prendre, se faire prendre en photo coiffé d'un chapeau. Nous attendons le début des discours officiels. Luce Fabregat d'Ariane Espace va prendre la parole en premier. Puis nous allons entendre les autres. Les clients clés, voici Luce, très souriante. Elle travaille avec ses équipes depuis longtemps. Ils se connaissent tous entre ces différentes équipes. Comme je l'ai dit plus tôt, ils travaillent ensemble depuis des mois, voire depuis des années. Voilà. Donc, pour certains, le travail est terminé. Pour d'autres, il ne fait que commencer, car dans ces différents centres spatiaux, ils doivent piloter leurs satellites, leur faire subir des opérations, des contrôles, vérifier leur bon état de marche, exécuter ces manœuvres de déploiement pour commencer à émettre, pour permettre que le haut débit, Internet haut débit soit reçu ici sur la surface terrestre. Pour d'autres équipes, ils vont continuer leur travail, le contrôle visuel immédiat, notamment la station de poursuite ici sur site. Ces personnes doivent rester à leur poste car c'est eux qui sont chargés de suivre les opérations du frégate, car celui-ci doit rejoindre son orbite cimetière. Cela va prendre un certain temps pour l'extraire de l'orbite autour de la Terre. Donc cela va prendre un peu de temps et on va les laisser travailler à cette fin. Nous attendons les uns les autres de venir nous parler pour prononcer les allocutions officielles. Ils doivent quitter l'espace que nous appelons le bocal. Il y a un système de sécurité extrêmement poussé, donc cela le prend un certain temps, parcourir cette distance du bocal jusqu'à l'espace réservé au public. Fait signe pour qu'ils rejoignent l'estrade. Un petit selfie avant d'y aller, n'est-ce pas? Pour s'assurer que tout le monde est dans le cadre. Belle photo. Voilà, donc ils passent le système de sécurité, ils vont emprunter les couloirs pour passer de l'autre côté de cette vitre d'une qualité particulière, une vitre très épaisse. Et en fait, quand vous êtes de l'autre côté et vous cognez du doigt dessus, les uns les autres à l'intérieur ne peuvent absolument pas vous entendre. Ils n'entendent rien, car c'est conçu ainsi pour permettre aux uns les autres à l'intérieur du bocal de se concentrer convenablement, sans être perturbés. Tout le monde est content. Un travail de belle qualité. Ils vont vouloir se détendre ce soir, j'imagine, pour se féliciter les uns les autres. Voilà, les caméras sont en attente de l'arrivée de Luce Fabregat ainsi que les autres orateurs. Je vois que J.P. Hemingway et Luce, la voilà. Elle traverse la scène. Donc, je ferme mon micro. On l'écoute.
Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, distinguished guests, chers invités, IronSpace est Arianespace est très heureux d'annoncer que les quatre satellites O3B ont été séparés comme prévu sur leurs orbites terrestres moyennes visées. Pour notre quatrième lancement de l'année, le deuxième avec notre lanceur moyen Soyouz, le succès est au rendez-vous pour nos clients et partenaires. Félicitations à tous. Les quatre satellites à bord de ce vol Soyouz sont les 17e et 20e satellites O3B mis en orbite par Arianespace depuis 2013. This rises to 61, cela the total number amène of satellites à 61 launched le nombre total de satellites lancés par Arianespace pour SES 1984. Depuis 1984. Bravo. So we are very proud donc, nous to sommes have très fiers d'avoir réussi SES, encore une fois notre mission pour SES. Le premier opérateur mondial de satellites a proposé une offre GEO-MEO différenciée et évolutive partout sur la planète, avec les satellites O3B positionnés à environ 8000 km d'altitude par rapport au plan équatorial, donc plus de 4 fois plus près de la Terre que les satellites géostationnaires. Arianespace est fier de soutenir l'ambition de SES Networks de fournir une connectivité à faible latence comparable à la fibre. Launch le lancement d'aujourd'hui suit les déploiements de la constellation O3B réalisés en 2013, 2014, et un lancement l'an dernier qui ont permis un service commercial depuis septembre 2014. Nous sommes d'autant plus fiers que ce cinquième lancement marque l'achèvement de la constellation et nous avons lancé tous les 20 missions accomplies. Pour cette relation pérenne, je voudrais remercier le PDG de SES Networks, John Paul Hemingway, qui nous honore de sa présence aujourd'hui. SES Network félicitations CTO, également à notre Rui Pinto, Rui Pinto le here with us today. PDH de SES Networks qui est avec congratulations nous aujourd'hui. Also to félicitations our également partner, à notre partenaire de longue date, Thales Alenia Space, qui a construit les quatre satellites à bord de ce vol. On a fait un total de 159 satellites produits par Thales Alenia Space, mis en orbite par Arianespace depuis 1981. Avec encore 7 satellites dans notre carnet de commandes, nous allons sûrement poursuivre notre partenariat et partager beaucoup d'autres succès. Un grand merci à Thales Alenia Space pour votre confiance et plus particulièrement à vous, Rémi Letuc, vice-président exécutif directeur des télécoms parmi nous aujourd'hui. Mesdames et messieurs, ce quatrième vol de l'année porte à 22 le nombre de missions réalisées depuis le Centre spatial guyanais, le port spatial européen, avec notre lanceur moyen depuis son introduction ici en 2011. Je voudrais remercier nos partenaires russes Roscosmos, RKT Progress, NPO Lavochkin et Tsenki pour leur coopération. We managed to perform together. Nous avons réussi à réaliser ensemble quatre lancements Soyouz en moins de 5 mois. Really, donc vraiment félicitations à tous pour cette performance. Let me also congratulate je voudrais également féliciter les équipes européennes qui, aux côtés de nos partenaires russes, ont largement contribué au succès d'aujourd'hui. Nos prestataires sol ici en Guyane et notre partenaire au quotidien, l'équipe CNES-CSG. And of course, let bien entendu, also pay je rends hommage à mes collègues d'Arianespace pour ce nouveau succès et mes collègues de StarSem et pour leur professionnalisme exceptionnel et dévouement à nos clients. J'invite maintenant nos clients et partenaires à venir au pupitre. D'abord, thank you. Thanks for the kind words. Merci de vos compliments. I could start by talking about je pourrais entamer mon discours en disant que notre filière connaît des changements.
But I'm not going to bother you. Mais je ne vais pas vous ennuyer avec cela. Here is a moment of celebration. Nous en sommes and à un moment de fête. Like to thank, et à ce titre, je souhaiterais adresser mes remerciements à des équipes, à ceux qui travaillent depuis longtemps, depuis des années and pour que nous en soyons là. That trap of mentioning et a few names je vais tomber dans le piège de mentionner quelques noms et d'en oublier d'autres. Et je souhaite votre indulgence à ce sujet. Vous l'avez dit. 61 lancements. J'ai pu faire mes calculs hier soir, c'est-à-dire 10%. Cela pèse pour 10% de la totalité de vos lancements depuis le début, si je puis dire, d'Arianespace. C'est un exploit, un accomplissement majeur. Et je salue à ce titre Arianespace. Vous avez travaillé à nos côtés pendant toutes ces années-là. Vous allez le faire, je n'en ai aucun doute, face aux autres prestations à venir. Véronique a travaillé à ce lancement, elle est quelque part, elle est indéfectible. Elle a travaillé d'arrache-pied. Dave, l'équipe d'Arianespace en son entier, qui nous a accompagnés pendant la campagne de lancement. Lancement abouti. Mes remerciements à vous tous. Je remercie également le centre ici à Kourou, le centre spatial, Didier et son équipe. Didier et moi avons travaillé de par le passé. J'ai été très heureux de les retrouver ici. Ils font fructifier ces questions logistiques pour les faire aboutir. Merci à vous. Je dois également mentionner nos partenaires russes qui ont su transformer l'essai à nouveau. Ces fusées russes sont magnifiques. Ils s'inscrivent véritablement au cœur de cette démarche. Alors, je souhaiterais également remercier Thales a connu beaucoup de hauts et des bas dans le cadre de ce programme. L'équipe à Cannes qui travaille actuellement, qui a d'ores et déjà tenté de faire partir les propulseurs et nous allons connaître les prestations à travers ces satellites très bientôt. Et je souhaiterais remercier également l'équipe SES. Un grand nombre de personnes dans cette équipe, certaines personnes sont parties, mais ils ont connu des sueurs froides pour faire aboutir l'action ici à Basdorf, à d'autres lieux. Toutes ces équipes doivent être fières de ce que nous avons réussi ce soir. C'est une conclusion magnifique pour couronner tout ce travail. Et enfin, l'élément que je mentionnerai en dernier, mais ce n'est pas l'élément le moindre, que nos clients, sans eux, rien n'aurait été impossible. Ils utilisent nos prestations et rendent toute notre action possible. Nous plaçons les clients au cœur de notre démarche. Il ne faut pas oublier. Merci de nous avoir rejoints pour ce moment de fête. Merci à vous. Voilà, je passe la main à JP, mon associé, pour qu'il puisse dire quelques mots. Un moment fabuleux de le voir d'ailleurs de mes propres yeux. Nous avons discuté avec nos enfants dans les cieux. Et nous sommes très contents. Je ne vais pas reprendre les propos que nous venons d'entendre. Je souhaiterais remercier tous les partenaires à nos côtés. Un jalon important que d'avoir ces satellites au nombre de 20 GEO dans les cieux, au service de nos clients. C'est de cela qu'il s'agit. Il faut mettre nos actes à l'unisson de nos paroles. Steve Collar, c'est le CEO, et je sais qu'il aurait voulu être ici avec nous, mais il a eu une réunion très importante, l'Assemblée générale des actionnaires, mais on l'a entendu sur les films. Il a dit qu'au départ, il était question de construire ces engins. Ensuite, il faut se tourner vers nos clients. C'est important. Les clients ont utilisé nos technologies pour perturber leur propre marché. Bon, après, nous sommes
nous avons hâte de connaître les nouvelles phases de perturbation. Nous tournons la page de ce que nous vivons ici pour lire la page ensuite qui nous attend. Franchement, merci à vous, merci à tous, et je passe la main à Rémi. Voilà, une fois de plus, lancement fabuleux, chargé d'émotions, grâce à Ariane Espace. J'adresse mes félicitations à l'équipe chez SES. Bravo, une réalisation remarquable. La constellation O3B est un projet extrêmement innovant. Et derrière ces projets innovants, il y a toujours des gens remarquables. Je tiens à remercier toutes les équipes chez Ariane Espace, du côté russe, du côté européen, pour cette réussite exceptionnelle dans le cadre de la coopération internationale. Soyuz est un lanceur de belles factures, de grandes réussites, grâce à votre habileté et à votre savoir-faire. Je salue également nos équipes Thales en France, en Espagne, en Belgique, en Italie. Merci de votre engagement. J'adresse mes chaleureux remerciements à Jérôme Verza, chef de projet qui travaille avec les équipes O3B depuis 10 ans, depuis le début d'ailleurs du projet. Et quand on a partagé notre vision de MEO avec le client, il était présent. Aujourd'hui, une pensée émue pour Umberto Erniti, qui est décédé en décembre 2018, chef de l'équipe propulsion italienne chez Thales Alien Space. Le travail d'Umberto était très prisé, l'homme très apprécié. Nous avons eu la chance de l'avoir eu à nos côtés pendant plusieurs lancements. Je remercie les équipes O3B SES, ceux qui étaient chargés des achats. Je rends un hommage tout particulier à Tim Gore, ici à Kourou, de même qu'à Pierre Jouve et Olivier Defauché et d'autres qui, hélas, je ne peux pas tous les nommer, donc John, Paul, Rui, Nelliton, l'équipe de chez SES, vingt satellites O3B sont actuellement dans l'espace. Félicitations. Donc, dès la séparation, les équipes chez Thales Alien Space ont pris la main sur les quatre satellites. Je confirme l'acquisition du signal. C'est très bien. Bonne continuation pour l'élargissement de votre périmètre commercial, JB, grâce à ces quatre aigles. C'est toujours très agréable de travailler avec tout le monde chez SES, et nous sommes ravis de pouvoir soutenir vos activités et de poursuivre ce voyage avec nous en tant que partenaire industriel durable que nous n'avons été de par le passé et que nous continuons à l'être. Donc, félicitations à tous et applaudissons toutes les équipes O3B SES TS impliquées dans cette fabuleuse aventure. Merci beaucoup à tous. Encore une fois, félicitations pour cette réussite exceptionnelle. Nous serons de retour début juin avec une Ariane 5. Notre champion poids lourd réalisera alors une mission pour le compte de AT&T DirecTV et Eutelsat. Donc, merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup de nous avoir suivis ici. Et bonne fin de journée ici en Guyane et bonne fin de nuit ailleurs dans le monde. Bonne soirée. Eh bien, c'est mission accomplie encore une fois pour Soyuz, le deuxième lancement de Soyuz depuis le CSG cette année. Et le quatrième lancement réalisé depuis le CSG cette année. Félicitations à toutes les équipes. C'est vraiment l'aboutissement et le résultat de beaucoup de travail acharné. Donc, meilleurs vœux à toutes les équipes SOL qui prennent en main les opérations. Et merci beaucoup d'avoir été à nos côtés et de nous avoir suivis. Donc, je vais vous dire jusqu'à la prochaine fois. Au revoir. À bientôt.
hommes. Allumage et décollage.